Yo, c'est Poké, et aujourd'hui, on va ajouter des longues vies à Minecraft, et croyez-moi, c'est clairement pas aussi inoffensif que ce qu'on pourrait penser. Sur ce, vous pouvez vous abonner, et tous ceux qui s'abonnent pas, je vous vois. Pour le coup. Wow! Non, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment à tomber depuis tout là-haut? Bon, allez, filez-moi un petit peu de bois, là, parce que ça suffit de tomber du ciel. Nous, on a des vraies choses à faire. Genre des méga longues vues qui détruisent tout sur leur passage. Voilà, après tout, c'est une activité comme une autre, hein. Aujourd'hui, on traîne pas, on se prend directement de la cobblestone, on se fait les outils et on va prendre un petit peu de charbon pour aller se faire cuire la bouffe qu'on va récupérer. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille rapidement dans les grottes parce qu'il faut qu'on trouve du creeper. Donc, mes chers moutons, venez par ici que je vous fume. Voilà. Par là-bas, j'aperçois aussi des petits cochons et des petits poulets par ici. Mais il n'y a pas de souci, je prends les gars. Allez hop! Bon alors, mais du coup, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'il faut qu'on trouve des creepers. Bah, vous inquiétez pas, c'est pas pour que je me marie avec eux, c'est qu'on va les fumer pour se faire de la TNT. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je prenne un petit peu de sable juste ici. Donc, bon, vous l'avez compris, on va commencer par une assez belle entrée en matière. Je dirais même qu'on va commencer de manière explosive. Hein. Petit, est-ce qu'il y aura pas un petit creeper par là? Voilà, vraiment, je vais dans les tréfonds des grottes. Ok, il y a un creeper juste ici. Bon, je vais peut-être crever là. Non merde, j'ai tapé le mauvais truc. On va vite se cacher, voilà. Normalement là, il n'y a plus personne qui peut passer. On va déjà se faire cuire vite fait la bouffe, parce que là, ça va être short sinon. Ok, on régène tranquillement mais sûrement. On va pouvoir aller fight les mobs et je jure qu'on va pas le faire exploser ce creeper. Hein. Je maîtrise. Putain, mais j'avais dit que je maîtrisais. Bon bah écoutez, tant pis, on va récolter un petit peu de fer. Et puis tant qu'on est dans les grottes aussi, on va se prendre un maximum de copper. Parce que je vous rappelle quand même que la base des longues vues, bah, c'est le copper littéralement. Et ça tombe bien parce qu'il y en a juste ici du copper. Bon par contre, je vous le dis tout de suite, je ne me laisse pas faire. Je vais en retrouver du creeper. Hein. Je veux avoir mon entrée en matière explosive aujourd'hui. Après, vous aussi, vous pouvez faire la vôtre. Genre en laissant un petit pouce bleu. Ouais, vous avez capté la vanne, exploser les pouces bleus, tout ça. Bon bref. Oh ah oui, toi, je te veux là. Bouge pas. Non, non. Mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ok, j'ai encore une troisième chance par là-bas. Ok, une première gunpowder, c'est pas mal. Il nous en manque encore 4. Et lui, on va le snipe. Il me reste plus qu'un coup et on l'a, lui. Hein. Ok, oui, il nous a droppé 2 gunpowder. Ok, ok. Une dernière gunpowder et ça y est, je peux faire mon entrée en matière. Oh, oh, est-ce que ce serait pas un petit spawner? Mais qui dit petit spawner peut vouloir dire de la gunpowder dans les coffres, donc ça me plaît. Ah, ok, bon, pour l'instant, on n'a pas de gunpowder. On a un petit seau. Il n'y a pas un deuxième coffre, là, vraiment? Ouais, non, en effet, il n'y a pas de deuxième coffre. Bon, bah, franchement, j'ai trop le seum. Salut, les gars, je viens en paix, j'ai plus beaucoup de vie, s'il vous plaît, soyez gentils. Non, genre c'est pas pour vous par exemple. Adios. Allez, non, par contre, venez pas les gars. Ok, il faut qu'on se craft un shield. Tu mens, j'ai plus assez pour un shield. Ok, là ça c'est bon. Wow. Frère, le gang de creeper, doucement. Non. Oh là là, mais c'est trop. Et du coup, ils ont tous explosé. Allez, ça fait 10 minutes la vidéo a commencé, mais ça y est! On a enfin notre autre matière explosive! Bon, et bah du coup, on va pouvoir se crafter les premières spyglass. Donc pour ça, hop, on se fait une petite TNT. Et là, on met 2 copper. Et regardez-moi ça, nuke TNT. Ok, préparez-vous, abonnez-vous, accrochez la ceinture. Il y a littéralement une nuke qui a été posée. Et là, vraiment, c'est pas une TNT, les gars. Regardez-moi un petit peu les dégâts. Mais attends, mais j'ai trop de chance. Mais on dirait que j'ai X-ray, là, carrément. Mais il y a combien de diamants, frère? 6 diamants, mais c'est n'importe quoi. Mais je refais exploser des nukes, y a pas de souci, donnez-moi en plus. Voilà, j'en ai eu une fois, c'est déjà pas mal. Écoutez, on va remonter. Donc en posant évidemment des petites nukes, hein. Aïe, ça me fait mal depuis tout là-bas. Du coup, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris le fonctionnement, je regarde un bloc et ça va venir poser une nuke là-bas. Faut que je m'éloigne vraiment très loin par contre. Oh, encore du diamant. Incroyable. J'ai vraiment extrait, hein. Ah, nous voici enfin à la surface. Et on va directement prendre un petit peu de sable. Parce qu'il y a des secondes, je vous ai dit qu'on aurait dit que je X-rayais. Sauf que là, écoutez, on va faire en sorte que ça devienne réalité. Puisqu'on va se crafter une longue vue X-ray. Oh, bah, un village. Donc je repop à la surface et il y a un village. Il y a 2 villages. Non, mais attendez. Allez, voilà, donnez-moi mon bloc de sable. Et c'est parti pour la X-ray longue vue. Regardez-moi ça. J'ai cassé tout sur 3x3 blocs. Vous voyez, ça casse tout, sauf les petits blocs de minerai. Donc, vraiment, là, on est Gucci, quoi. On est pépère. Bon, on s'en servira une fois qu'on retournera en grotte. Parce que avant d'y aller, on va rapidement aller dans les villages, voir si jamais on peut trouver des petits trucs intéressants ou pas. Hop, on va se craft un petit plastron, une petite pioche. Parce que ici, on veut se mettre directement Gucci. On n'a pas peur de le dire. Voilà, on jette ça. Allez, c'est parti, direction les villages. Et on va tout faire péter. Ah, en vrai, j'ai juste posé une petite nuke. D'un coup, je suis devenue folle. Mais on va pas tout faire péter réellement. Vous inquiétez pas, je ferai quand même pas ça. Voyez le petit golem? Et bah dans quelques instants, vous le verrez plus, hein. Ça c'est moi qui peux vous le dire. Wow! Heureusement que j'avais posé ce petit bloc de cobble là. Il m'a tellement protégé. Bon, maintenant qu'on a bien pillé le village, il va être temps pour nous de retourner rapidement en grotte. Parce que j'ai encore un ou deux petits trucs à trouver pour des longues vues encore toujours plus cheatées.
Ah mais toujours pas de grotte, c'est fou ça. Bon écoutez hein, on va utiliser un petit coup de X-Ray Spyglass. Ah ben voilà, il suffisait de demander. Messieurs dames, bonjour. Allez quoi, donnez-moi des diamants, soyez paradins. Non, ah bah je crois qu'on l'a notre petite grotte. Oh, c'est vachement stylé. Allez hop. Allez hop, c'est ciao. Oh bah attendez, je me permets, hop. On a trouvé une petite grotte, adios mon gars. Écoutez, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Parce que si jamais vous avez été un petit peu attentif tout à l'heure quand j'ai crafté ma pioche et mon plastron, vous avez remarqué qu'il me restait encore un petit diamant. Et c'est pas pour rien. Mesdames et messieurs, je vous présente la multiplication Spyglass. Regardez-moi ça. Je regarde un bloc, je regarde un autre et ça se multiplie. Donc là déjà on va pouvoir se faire un petit portail du Nether, un petit full stuff gems. Et parfait, petit portail prêt, ben voilà, c'est super rapide. Hop là. Bon, du coup, maintenant que le portail est prêt, donnez-moi des diamants, s'il vous plaît. Oh, bah parfait, les petits diamants qu'on recherchait. Et parfait, bah ça marche. Regardez-moi ce beau pan de diamants. Il y en a partout, c'est incroyable, vraiment. Hop, bottes et casque. Et hache aussi, tant qu'à faire, hein. Et nous voilà désormais en Gucci Louis Fendi. Bon, c'est bien beau maintenant, des full stuff gems, etc. Mais croyez surtout pas que c'est la fin de notre périple. Vraiment, il nous reste encore des trucs bien plus OP et un petit peu plus bizarres à obtenir, hein. Vraiment. Il nous reste notamment un dernier petit truc à trouver avant d'aller dans le Nether juste là. C'est une géode. Oula, et si je pouvais éviter de crever aussi. Et attendez les gars, là je suis tombée sur un coffre de mineshaft et j'ai envie de tester un truc. Est-ce qu'à votre avis je peux le dupliquer ou pas? Si je le regarde et que je le pose genre là où je fais un truc, est-ce que... Non, il n'y en a pas plusieurs, ok c'est dommage. Et du coup je vous ai aussi repris à ce moment là parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petits blocs de smooth basalt. Ça y est, j'ai ma géode, donc j'ai enfin mon petit bloc of amethyst. Il sert pas à n'importe quoi ce bougre. Donc si jamais là je craft deux blocs de copper et que je les place comme les copper habituels avec un bloc d'amethyst au-dessus, je récupère une giant spyglass qui pour le coup et bah vraiment énorme littéralement. Est-ce que si je regarde... Non, ça devient pas gros les blocs. Y a pas un truc qui se passe. Ok, là je suis un petit peu curieuse de savoir ce que ça va faire. Et bon, ma curiosité va pas m'empêcher de crafter encore une autre spyglass. Là c'est deux d'un coup. Si on prend un petit bloc d'iron et qu'on met deux copper en dessous, on récupère un mignon de spyglass. Et oui, c'est littéralement comme dans le film. Moi, je suis méchant, c'est des petits mignons. Enfin, je crois, j'espère. Oh non, c'est des petits golems. Est-ce que si je les frappe, ils m'attaquent? Oh là là! Mais en fait, faudrait qu'avec la Giant Spyglass, j'essaie de regarder un mob. Mais bon, je vais pas le faire sur un mob qui est enragé quand même. Ce serait un petit peu idiot de ma part. Et du coup, en soi, eux, ils peuvent me protéger si je les attaque pas. Enfin, j'espère que ça va pas faire comme les gardes dans cette vidéo avec Linette, quoi. Ok, donc on refait spawn des minions. Et si jamais je regarde un oui! Ouais, il est gigantesque! Mais c'est abusé. Bon, et bien écoutez, maintenant que j'ai crafté absolument toutes les longues vues qui étaient nécessaires pour l'Overworld, on va se rendre dans le Nether. Et c'est pareil, de toute façon, je n'ai encore beaucoup à crafter. Allez, c'est parti, on monte dans le Nether. Ok. On n'arrive pas forcément dans le meilleur des Nether. Donc, pour exprimer mon mécontentement, hop, la petite nuque sur vous, les gars. Je crois qu'il y a un magma cube là-haut, on peut essayer. Est-ce qu'il peut devenir... Non, ok, on peut pas lui faire doubler. Vraiment, c'est trop marrant. Oh, le strider géant. Oh là là. Oh, j'aurais trop aimé avoir une selle pour pouvoir lui monter dessus. Oh, oh là là, imaginez, il a déjà un ghast, c'est grand. Oh, attendez, mais les gars, imaginez ça sur l'Ender Dragon. Mais du coup, je peux même plus le tuer. Oh si! Allez, vous savez quoi? En attendant, moi, je me dirige directement vers une petite forteresse ou un bastion. Enfin, du moins, j'espère qu'il y en a un par là-bas. Et on se retrouve dès que j'en ai trouvé un. A plus! Bon, les gars, on se retrouve et j'étais tranquillement en train de miner avec mon X-Ray Spyglass parce que je me suis dit que c'est ce qu'il y avait de plus malin pour trouver de la netherite et du quartz. Parce que vous allez comprendre un petit peu après pourquoi est-ce qu'on a besoin de quartz aussi. Et soudain, j'ai eu un bug de junk qui m'a montré en gros qu'il y avait une forteresse par là-bas. Donc, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai une forteresse. Enfin, dès que je l'ai sous les yeux, je sais plus où est-ce qu'elle était réellement. Elle a petite nuke. Mais elle est où la forteresse là? C'est pas possible, je l'ai vue quand même, j'ai pas rêvé. Ah bah ça y est. Ok bah écoutez c'est parfait. Et là croyez-moi on va pas s'embêter à faire un petit pont. On va se crafter hop là une nouvelle paire de longues vues. On met un petit quartz et là regardez-moi ça, Portal Spyglass. Je vous jure ça me rappelle trop les Portal Guns. Je kiffais trop ça à l'époque ce petit mode. Donc je pose un portail juste là. Bon il est un petit peu en lévitation. Et est-ce que je peux en poser un là-bas? Ok alors faudrait peut-être que je le pose un petit peu mieux. Ok là normalement la disposition que j'ai fait ça devrait le faire. Ok! Et nous y voici enfin! Attendez, est-ce que du coup, eux, on peut les mettre en giant ou pas? Est-ce que Karima va se taper le plafond? Ah non, merde, pardon, je me suis trompée de spyglass, monsieur. Vous, c'est celle-là, monsieur. Ah oui. Et est-ce qu'ils font mal ou pas, vous pensez? Bah, du coup, ils me voient même pas, mais c'est trop pratique. On va aussi se mettre un maximum de minions, histoire de se défendre face aux blazes qui sont d'ailleurs juste là. Allez-y, allez-y, les gars! Oh, ils le soulèvent. Attention, je m'apprête à faire un méga blaze, les gars, là. Allez, toi aussi, t'es méga. Oh, bah merde, ils se font directement allumer. Ok. Ouh le méga blaze. Bah attends on n'a même pas le temps de le voir les gars hein. Bon allez je farm les blaze rods et on se retrouve dès que c'est bon les gars.
Ok, du coup, j'ai récupéré toutes les blaze rods qu'il me fallait. Donc, maintenant, bah, prochaine étape, c'est les Enderman. Oh, une selle. Attendez. Parce que ça, ça veut aussi dire qu'on va pouvoir tester les Striders. Oh, c'est magnifique. Là, dans ma tête, on allait partir du Nether. D'un coup, boum, retournement de situation, là. Ok, on se retrouve, j'ai maintenant toutes les Ender Pearls. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est tenter d'aller sur un Strider. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse une petite canne à pêche. Ça tombe bien, j'ai deux ficelles. Et ensuite, voilà, on fait une canne à pêche avec un petit champignon bleu dessus. Ensuite, on lui pose sa selle. Non, viens, attendez, on va la tirer, voilà. Hey, ok, on lui pose sa selle, on lui monte dessus. Est-ce que là... Wow. C'est trop stylé, les gars, c'est absolument trop stylé. On va mourir. Ok, non, c'est bon, on meurt pas. Et c'est parti, amène-moi au petit portail, mon gars. Oula, non, 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 non. Voilà, c'est parfait, mon bon monsieur, on est arrivé à destination. Je vous remercie. Bah, attendez, j'ai même pas besoin de m'embêter à dépenser mon obsidienne. Hop, petite multiplication spyglass. Parfait. Et on passe dedans. Allez, maintenant, direction le Stronghold. Et sur le chemin, il y a encore une spyglass qu'il va falloir qu'on fasse. Et je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, pour ceux qui s'en rappellent. Honnêtement, c'est pour moi vraiment, vraiment la plus cheatée qu'on va avoir. Allez, je remonte et on réunit les ingrédients pour cela faire. Ok, et me revoici à la surface. Et on a une petite jungle. Alors, ça va pas forcément servir, mais par contre, il y a un petit truc à côté. Cette petite canne à sucre là-bas qui m'intéresse fortement. Et vous savez quoi? Hop, on s'embête pas à marcher. On va faire un petit portail là-bas. Voilà, parfait. Merci pour la canne à sucre. Et maintenant, il nous faut des petites vaches ou des petits chevaux. Vous l'aurez compris, pour faire un livre. Et là-bas, il y en a. Mais parfait. Il suffit de demander. Hop, on fait un livre. Et là, table d'enchantement. Alors, en plus, j'ai un petit peu de lapis. Donc, vous savez quoi? On peut même s'en servir rapidement avant de l'utiliser pour les spyglass. Je crois que c'est la première fois dans un Minecraft mec que ça m'arrive de m'enchanter. Hein. Et maintenant qu'on l'a utilisé, on va la réutiliser. Mais cette fois-ci, dans un craft. Regardez-moi ça. La killer spyglass. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? J'envoie un rayon laser, mon ref. C'est incroyable. Et je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça va être sur l'Ender Dragon quand on va le grossir et tout. Vraiment, ça va être une dinguerie. Donc, on va pas plus tarder. Je lance mon premier Eye of Ender. Et c'est parti, on se retrouve quand je suis au Stronghold. Ok les gars, c'est bon, je suis enfin arrivé. Hop. Oulala, est-ce qu'il y a vraiment le Stronghold en dessous? Est-ce que je me suis complètement foiré là? Ah non, 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 me dites pas ça, hein. Ah ok, non, c'est bon, il est là le Stronghold, parfait. Oui, pendant un moment, je me suis quand même posé de sacrées questions. D'ailleurs, est-ce que si jamais lui, on le fait devenir gros, est-ce que ça devient juste un zombie normal? Non, ok, ça marche, y'a pas de soucis. Ok les gars, j'ai trouvé la salle du portail. Allez hop, vous vous cassez. Hop, du coup on va poser tous les Eye of Ender. Et heureusement il y en avait déjà quelques-uns de posés. Bon allez, c'est parti, sans plus tarder, on rentre dans l'end. Allez, déjà on va utiliser un petit coup de portail. Boum, amène-moi là-bas mon gars. Oula. Alors toi, bonjour. Hop là, déjà tu meurs. Je te fais voler comme ça, voilà. À l'aide de la force, je suis en mode Obi-Wan Kenobi. Ensuite, on se fait spawn un maximum de minions aussi pour se défendre des autres Enderman. On peut même se les agrandir. Oh ouais, comme ça après, ils pourront taper l'Ender Dragon. Oh la dinguerie. Oh, je suis en train de l'arracher l'Ender Dragon là. Oh là là, la flèche que j'ai mise sans même regarder. Écoutez les gars, je crois que c'est prêt. Attendez, on va agrandir déjà l'Ender Dragon. Est-ce qu'on peut ou pas? Oh merde, malheureusement on peut pas. Écoutez, c'est pas grave. Allez hop, rayon laser dans ta gueule. Mais surtout, nuke mon gars. Oh là là, attendez, ça va exploser. Oh, il est déjà reparti. Non, il est pas encore reparti. Oh là là, comment il a pris trop cher. Et là les gars, vous savez quoi? Dès qu'il se repose, je vais lui mettre une armée de minions géants sur la tête. Il va mourir instant. Ok, il arrive. Mignon, un maximum de minions. C'est parti, frappez-le les gars. Non. Ok, deuxième solution. Des nukes. Let's go. Et en plus, il a drop deux ingots copper. Pas du tout moi qui viens de les drop. Pour se faire la dernière spyglass, l'OP spyglass, c'est une longue vue à OP. En vrai, c'est une longue vue avec un bouton like et un bouton s'abonner dedans. Bref, bisous tout le monde.